troisième du classement. L'Estac accueille Orléans, 17e. Troyes est une équipe impressionnante, la plus en forme en Dominos League 2. 4 victoires consécutives déjà. Orléans de son côté reste sur 2 nuls et n'a toujours pas gagné le moindre match. Très joli coup franc pour Orléans, signé Maxime Darpineau. Et sauvetage non moins magnifique de Gauthier Gallon. Une jolie opportunité pour Orléans, suivie d'une autre pour Troyes. Et le premier but de la partie après 16 minutes seulement pour Johan Salmier. Son premier but en Dominos League 2. À son 78e match dans cette division, il parvient à marquer un but. Et un but important, celui du 1-0. Orléans réagit rapidement avec un but exceptionnel. Gauthier Pinault à la 26e minute pour l'égalisation. Frappe monumentale, la barre rentrante, c'est son premier but de la saison. Lui qui n'en avait inscrit qu'un seul avec Châteauroux en 2009-2010. Il ne marque jamais, ou presque. Et sur ce match, il réussit un but formidable. Un but partout entre les deux équipes. C'est le score à la mi-temps. Orléans s'est donc relancé. Et Troyes a du mal à être véritablement dangereux. Les joueurs de Laurent Batless sont les favoris de leur rencontre vu leur état de forme. Mais Orléans continue à avoir de bonnes possibilités, quelques espaces à exploiter, notamment ici à la 57e minute. Aurélien Scheidler peut conclure cette action. Il est au départ sur la déviation. La passe à Disham Benkaïd. Et c'est bien Scheidler qui conclut pour son troisième but de la saison. L'Estac se retrouve donc en difficulté. Les joueurs de Didier Lénicole ont pris confiance au fil du match. Nouvelle possibilité peut-être de marquer un troisième but pour Orléans avec ce tir à sauver par Gauthier Gallon. Deuxième chance dans la surface. Ça s'est un petit peu refermé. Difficile de trouver un espace. Le ballon est contré par la défense et passe finalement au-dessus. Les Orléanais sont libérés. Une chance d'égalisation tout de même sous la pluie pour l'Estac en fin de match. La reprise de la tête au deuxième poteau à bout portant de Jimmy Giraudon, le capitaine. Ça ne passe pas pour l'Estac. Match qui se termine avec une grosse faute sur Johan Tousgard. La faute de Gabriel Mutombo, exclu dans les arrêts de jeu de la partie. Le carton rouge pour Mutombo, mais qui permet de préserver le score alors que Tousgard s'en allait peut-être pour marquer le but du 2 partout. Un sacrifice qui permet de conserver la victoire. Succès d'Orléans, 2-1 sur le terrain de Troyes. Première victoire de la saison pour Orléans.